Michel Kamanou, ancien président de la 9e législature du Parlement guinéen, a comparu pour une deuxième fois jeudi 6 avril 2023 devant la chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF. Il est poursuivi pour détournement de fonds publics, enrichissement illicite, blanchiment d'argent et corruption dans le secteur public et privé, prise illégale d'intérêt. L'ancien député est accusé d'avoir détourné 15 milliards de francs guinéens au préjudice de l'État guinéen, sans être capable de justifier l'origine licite de ces ressources. Cependant, Michel Kamanou a nié ces accusations devant la Cour en apportant des précisions sur l'utilisation de dits montants. On a été accusé de détourner ces 15 milliards, même si on était des mauvais gestionnaires. On savait qu'on devait rendre compte de l'utilisation de ces 15 milliards. C'est pourquoi de mémoire, je vous dis toujours, et je le répéterai, même en sommeil, même en rêve, 3 milliards payés aux entreprises, 7 milliards pour le fonctionnement aux députés, les 5 milliards reliquats étaient à la banque. Le 6 septembre, quand nous avons quitté le pouvoir, les montants étaient à la banque et la comptabilité de la banque est là. Vous pouvez le vérifier. L'audition de Michel Kamanou a suscité un grand intérêt de la part de la population guinéenne qui suit de près cette affaire de corruption présumée. En effet, il s'agit d'une première dans l'histoire du pays qu'un ancien questeur de l'Assemblée nationale se retrouve devant la justice pour des faits similaires. Dans ses explications, le mis en cause a dit le pourquoi et comment les 15 milliards ont été utilisés. Ça a été payé aux députés, à la rentrée de la session, il fallait payer tous les frais pour ne pas que l'Assemblée retarde d'ouvrir sa session. On n'avait pas obtenu notre subvention qui devait prendre en charge cette entrée parlementaire. Nous avions cette ligne de crédit. Nous avons fait une affectation interne en réunion de bureau pour préfinancer, donc pour payer à l'avance. Et deux semaines après, on a reçu nos 28 milliards. Et automatiquement, la compensation a été faite. Plus loin, l'ancien député a fait savoir à la Cour que ces 15 milliards de francs guinéens constituent la première partie du financement total qui revenait à l'État guinéen dans le projet de construction du siège du Parlement guinéen. Revenant ainsi sur la genèse du projet de construction du dit siège, l'honorable Michel Kamanou a expliqué comment le montant de 15 milliards a été programmé. L'Assemblée, vous savez, reçoit des subventions de l'État. C'est au titre de la subvention de l'État, en précisant que c'est pour sa participation à la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Si vous permettez, je peux un peu expliquer comment sont venus les 15 milliards. La partie chinoise a donné 40 millions de dollars à la Guinée. Parlement chinois, Parlement guinéen pour les deux populations. La Guinée devait payer 10%, ça fait 4 millions de dollars. À l'époque, on prenait pour 1 milliard le million de dollars, pour 10 milliards le million de dollars. On s'est dit, si nous devons payer la Guinée 4 millions de dollars, ça faisait à l'époque estimé à 40 milliards. On a dit on ne va pas demander au gouvernement de décaisser tout de suite les 40 milliards de francs guinéens, l'équivalent de 4 millions de dollars, parce que la partie chinoise qui va investir les 40 millions de dollars va aussi décaisser en 3 ans. On a demandé à la partie chinoise, on dit que la construction du siège se ferait en 3 ans. Donc, forcément, les 40 millions de dollars du don chinois n'allaient pas être décaissés en une seule année. Donc, on s'est dit, par habitude budgétaire, nous allons saucissonner pour faire 3 paiements, pour demander au gouvernement de ne pas bloquer 40 milliards aujourd'hui qui vont peut-être être dépensés pour les derniers montants, la 3e année, mais on dépense 15 milliards la première année, 15 milliards la 2e année, et les 10 milliards restants pour les derniers travaux de jardinage, d'espace vert, de voirie et tout, c'était comme ça. Donc la première année, 15 milliards comme fonds de contrepartie. La 2e année aurait été aussi des 15 milliards. Et la dernière année, au moment de la réception de l'ouvrage, les 10 milliards.
Voilà l'origine des 15 milliards. Et avant qu'on ait eu ces 15 milliards, nous avons procédé à des petits changements au niveau de la gestion à notre niveau. Et peut-être que des gens n'étaient pas satisfaits de ces petits changements qu'on a faits. Je vous le reprends. Avant qu'on ait eu les 15 milliards, plainte a été faite contre nous, comme pour nous dénoncer que nous avons déjà réparti les 15 milliards. À rappeler que la CRIEF qui mène cette enquête sur les détournements présumés de deniers publics en Guinée a déjà entendu plusieurs personnalités politiques et économiques depuis sa création. Mais l'interrogatoire de Michel Kamanou était très attendu par les partis car il est considéré comme l'un des acteurs clés de cette affaire. Le verdict de la CRIEF n'est pas encore connu, mais l'opinion publique guinéenne espère que cette initiative de la transition dirigée par le CNRD de réprimer les infractions économiques et financières permettra de mettre un terme aux pratiques de corruption qui ont sévi pendant des années dans le pays.